Rentré en France, j'en étais là de mon récit, quand au début d'un beau soir, un ami poussa ma porte et me jeta. On tue les Juifs à Jérusalem! Je bondis hors de mon encrier. L'ami me tendit un journal. On les tuait. On les tuait même quelques mois en avance sur le programme. Alors j'envoyai promener mon porte-plume. Je pris mon chapeau, le train, puis le bateau. Je repartis pour la terre promise. Plus la situation des Juifs s'affirmait en Palestine, plus les privilèges féodaux des chefs arabes se trouvaient menacés. Le temps était venu d'arrêter l'invasion juive. L'heure sonnait. Les batteries étaient prêtes. Le grand mufti, très gracieux jeune homme, entra en scène. Des tracts imprimés à la hâte furent envoyés aux imams des villages. Les imams les lurent aux fellahs rassemblés. Il y était dit que le drapeau sioniste devant le mur était le signal de l'attaque par les juifs des lieux saints musulmans. Le mur, d'abord, n'était-il pas l'un de ces lieux saints?